Bonjour à tous et je vais vous parler d'une franchise que je pense qu'on apprécie tous et il va avoir un cinquième volet et je vais pas parler de Shrek 5 même si Shrek 5 il va avoir un cinquième volet mais je parle de Toy Story 5 et j'ai même la date, il sort le 19 juin 2026 et comment vous dire ça? Moi je me dis pourquoi pas, pour moi le 3 c'est le meilleur. Le 1 reste un classique. Le 2, faudrait que je le revoie. Je ne me rappelle pas. Pour moi, le 2, c'était le plus faible de la trilogie. Le 3, il était incroyable. Le 4, j'avais bien aimé. Je trouve que les 20 premières minutes sont vraiment incroyables. Après, le film, c'est vrai, il redescend un peu. Mais ça reste de très, très bonne qualité, je trouve, de très bonne facture. La conclusion est intéressante. La conclusion n'est pas mauvaise. Donc, du coup, assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur Toy Story 5. Ça sent un peu un appel au secours, quand même. Voilà. Après, le film est censé sortir en 2026. Donc, ils ont le temps de pondre quelque chose de plutôt intéressant, je pense. Mais comment dire ça? On sent que c'est un appel au secours. Parce que les films d'animation de Disney, voilà, c'est un peu... C'est pas la folie en ce moment. Voilà. En termes de succès au box-office et tout ça, c'est pas dingue. Donc, du coup, faire un film comme Toy Story 5, ça sent quand même un véritable appel au secours. Donc, pourquoi pas? C'est un truc solide où Disney, je sais pas s'il se repose dessus, peut-être. Mais après, c'est une très bonne franchise aussi, donc pourquoi pas? Voilà, je sais pas si je suis hypé, j'aime bien Toy Story. Je me dis, si c'est bien fait, pourquoi pas? Si c'est pas bien fait, ce serait dommage. Donc, à voir. Parce que ça peut être une jolie carte pour Disney, mais ça peut être une carte de sortie aussi. Parce que si c'est raté, ça peut faire très mal à Disney. Donc, voilà. On verra bien. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.